Bonjour, je me présente, je m'appelle Théophane, j'ai 16 ans, je suis en terminale au lycée Mousseron à Denain, en spécialité humanité, littérature, philosophie. Cette année, je participe au prix Femina des lycéens. Je vous présente aujourd'hui le roman On était des loups de Sandrine Collet. Ça raconte l'histoire d'un homme appelé Liam qui habite en montagne aux États-Unis et rencontrera une femme appelée Anna avec qui il finira par tisser des liens, puis ils retourneront en montagne, auront un enfant à contre-cœur pour Liam. Et un jour, il va partir chasser des loups après 5 ans. Il va revenir plus tard et quand il reviendra, il retrouvera sa femme morte avec son enfant de 5 ans qu'il devra ensuite élever. Et on verra que ça sera très compliqué pour Liam de l'élever, surtout en montagne et seul, et qu'il n'est pas vraiment prêt à garder cet enfant. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est vraiment l'évolution de la relation qui, au fur et à mesure, change totalement. Et ce qui est totalement imprévisible, et surtout avec la réaction que plusieurs personnes auront dans le roman du côté de la famille à Liam. Et surtout, à la fin, le rebondissement qui va se produire, qui est spectaculaire et inattendu. Je recommande vraiment aux jeunes de notre âge, déjà parce qu'il est émouvant et parce qu'il peut montrer un peu les relations familiales, même si elles sont compliquées, que tout peut évoluer. Et ça peut permettre de comprendre, même si les personnes dans ce cas sont rares, on peut quand même essayer de comprendre les parents, comment ils veulent s'en sortir pour leur enfant, même s'ils ne le veulent pas forcément. Et donc, surtout à notre âge, on pourrait un peu les comprendre, tout en ayant pas mal d'émotions parce que l'histoire est très, très incroyable. Thank you.